Bonjour les loulous, ça y est, c'est parti de Saint-Cyprien. Ça fait une petite demi-heure. Alors, information, je suis tout seul à bord avec la petite minette noire. Et je viens d'établir, finir d'établir les voiles, réglage de voiles. Je suis sur le cap du Cap d'Agde. Et je suis au près serré pour faire un cap le mieux que possible. Je marche à 5,5 nœuds. Un petit peu de tramontagne, mais pour l'instant, elle n'est pas levée. Donc c'est très bien. Il n'y a pas trop de vent. Ça permet de s'habituer un petit peu au bateau. Et surtout, quand on est tout seul dedans. Donc voilà, 5 nœuds de vitesse. Surface ground sol, et non, je suis en fait à 50 degrés du vent, et il fait beau, il fait chaud, c'est extrêmement agréable. Alors pourquoi je suis seul, c'est la question. Catherine doit donc ramener la voiture à notre port d'attache, et moi je rejoins le port d'attache. Donc pour l'instant on va faire une stop à Cap d'Agde, et ensuite je ferai une navigation d'une journée complète vers Port Saint-Louis-du-Rhône, où nous laisserons la voiture et nous poursuivrons notre périple. Alors super nav, pour l'instant c'est calme, rien à redire. On verra un petit peu plus loin dans le boulet là de la tramontagne ce que ça donne. Mais là-bas je vois que ça commence à blanchir un petit peu, donc je vais être sur mes gardes. Là, ça commence à accélérer, 6-6 là actuellement. 6-6, 6-7. Auprès à 40 degrés du vent précisément. Bon voilà, les prévisions de vent qui montait se sont avérés, et je viens de prendre un riz, donc un petit peu moins de gîte, plus confort, et ben ça continue. Si ça va continuer comme ça, bon pour l'instant je suis pas vraiment sur le bon cap, hein. Va falloir que je resserre un petit peu l'angle. J'ai certainement la possibilité, je vais voir ça maintenant. Bon voilà, donc j'ai repris quelques degrés pour faire meilleur cap. Je vais d'ailleurs faire le point un petit peu de là où je me trouve avec vous. Ça, voilà. Donc actuellement la vitesse est de 6,3. Alors vous voyez. Alors ça c'est le grib qui me disait le routage me disait de faire comme ça. J'ai fait un petit peu entre les deux. Et là, ben, je suis pas encore arrivé ici, hein. J'en suis que là. Donc, c'est pas trop mal. On verra bien ce que ça donne. Alors, la vitesse actuelle, ouais, 6 nœuds. Pas de bateau devant. Aujourd'hui, j'ai été tranquille avec les casiers. Il n'y en avait pas. J'en ai pas vu un. Ou alors, s'il y en avait, je les ai pas vus. Je viens de rentrer un riz, le bateau, c'est plus confort. Le matériel peine moins. Le capitaine aussi. Et puis c'est moins stressant. C'est plus reposant. On n'est pas en compétition. Il faut pas aller tourner une bouée. C'est très bien comme ça. Oh là là, il y a un joli vol ici là. Il y a des lenticulaires. Je sais pas si vous voyez ce nuage là ici là. C'est un lenticulaire. C'est un nuage d'altitude qui se forme au-dessus des crêtes, et ça veut dire que derrière il y a une onde, derrière la montagne le vent fait comme ça, et ça veut dire que ça souffle aussi en altitude. Voilà. Alors il y avait tout à l'heure, il y avait aussi des lenticulaires ici. Eh ben, je suis accompagné par des mouettes, moi je me sens moins seul. Alors la petite minette à poils noirs
tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il y a là. Personne devant, personne sur les côtés. Je sais pas ce qu'il y a foutu. Ça, ça veut pas laisser rester. Hop. Ah, ben ça. Alors, ça, c'est pas très très pratique quand il y a de la gîte. Donc, on va le mettre là. C'est très bien qu'on s'est à plat, mais quand il y a de l'Égypte, c'est pas ça. En navigation, pas de bateau là-bas. On voit quand même un peu vers l'avant. Pas énormément, mais on le voit quand même. Je regarde mes batteries. Allez, on monte là-haut. Alors comme je suis tout seul et que c'est pas mon habitude de naviguer tout seul, on dit toujours au moins deux, comme ça l'un peut veiller sur l'autre. Gilet, VHF étanche, portable, harnais au cas où il faille aller, et si ça monte, se mettre devant, au moins on s'assure. C'est pas un gros temps, hein, mais vaut mieux avoir ceinture et bretelles que rien du tout. Hein. Tu te retrouves à la baille, tu regrettes de ne pas l'avoir eu, le bazar. Raison que ça arrive, mais c'est dans les possibilités que ça arrive. Donc, ceinture et bretelles. Prenez-en bonne note. Voilà. En coude à coude, bon, il est un petit peu plus puissant que moi, lui, par contre. Du coup, j'ai remis... le riz, en fait, je l'ai enlevé, voilà. Le vent était retombé. Et là, je marche à 6-5 au près serré. Un beau bateau, là. Ça a 45 pieds, ça, au moins. Magnifique. Allez, des belles images en mer. Évidemment, je suis à Calais, à la gîte. Actuellement, on est à 7, 9, 6, 9, 6, 8, 6, 9, 7, 7 nœuds près. On est à 45 degrés du vent à peu près. Et du coup, on refait un meilleur cap maintenant. Je vais resserrer de plus en plus. Rejoindre le cap d'Agde. Il est 16h15. J'ai pas encore fait la moitié de la route. Il me reste encore 29 000 à parcourir à 7 nœuds. Voilà. Et B. Elle vient de là. Vivement qu'on puisse naviguer tous les deux, Catherine et moi. C'est quand même plus sympa à deux. Partage. Mais il fallait en passer par là. Bien, alors le vent adonne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne nouvelle. Il vire un petit peu vers l'ouest. On a fait des pointes à jusqu'à 7 nœuds à peu près, et là on est à 5-5. Je fais un bon cap pour rejoindre le cap d'Agde. Je suis qu'ici pour l'instant, mais maintenant j'ai récupéré
un chemin direct avec un vent qui est à 40 degrés à peu près, donc ça me va bien. La terre s'éloigne, enfin la terre s'éloigne, non, la terre est assez loin, la terre, je la vois bien entendu. Là, ça se calme un petit peu les éléments, un petit peu moins de vent, c'est bizarre. Ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien ou celle de Lucien. Alors, où est-ce que nous en sommes de notre avancement? Eh bien, on est travers le 4 pour l'instant. J'ai un voilier dans mon travers, là, d'abord. Dans le soleil, je ne sais pas si vous voyez. Et j'ai fait un petit point carte. Normalement, j'arriverai vers 23 heures. Même si le vent a bien à donner, je me retrouve quand même à voir. 7 heures d'arrivée, quoi, voilà. Voici le trajet. Ici, il était plutôt très serré. Et là, depuis une heure, on marche au travers. Et le cap est bien sur Agde, il n'y a pas de souci. Il y a quelques petites poussées de temps en temps. Mais dans l'ensemble, c'est pour l'instant assez calme. On est à mi-parcours. On arrivera malheureusement que vers... Enfin, malheureusement. On n'arrivera que vers 21h. Bah, le temps s'arrange pas. Hein. Plus ça va, plus ça met son temps. Mais là, il faut dire qu'on mollit. Ça mollit, ça mollit, ça mollit. Donc actuellement je fais du 4-5 et il me reste encore 26 nautiques à parcourir. Donc voilà, pas arrivé, hein. Pas arrivé. La voile. Bon, il y a qu'un truc, c'est que c'est un petit peu enquiquinant pour Catherine, parce que elle est arrivée sur le cap d'Agde, elle s'est arrêtée voir une amie. Et évidemment, elle va poireauter en m'attendant. Et quand elle n'a pas de mes nouvelles, peut-être s'inquiète-t-elle un petit peu. Voilà. Et je lui en ai donné il y a 10 minutes. Donc, ça l'a rassurée. Bon, ben, on continue notre route. On fera un petit tour vers l'avant tout à l'heure. C'est agréable, mais là il manque un petit peu de vent. Et des fois il y en a un petit peu trop. Bon, ben, je viens de passer pratiquement une heure sans vent. Enfin, sans vent, 10 nœuds. Donc vitesse 4,5. Ça me retarde sur ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. On va y arriver quand même. Et là, le vent a l'air de vouloir reprendre vie un petit peu. Donc, petite bière en attendant, ça passe. Ça se passe bien, il n'y a pas de mer, hein, donc il n'y a pas de houille, il n'y a rien. Quelques vaguelettes, et voilà. Donc, tout va très bien. On va aller faire un petit tour en bas. Thank you.
belle. On a Saint-Cyprien. Et ça dépend du vent. Ça peut être plus court si monsieur veut bien se maintenir comme là il fait actuellement. 16 nautiques encore à faire. Et là, tac. Actuel. Ça revit. Voilà, donc on pratique la navigation. C'est top. Ça revit le vent. J'ai calmé pendant une heure. Et là, ça redevient du plaisir. Les boutons. Je crois aujourd'hui. Pas encore fait, hein. Il y a encore. Quinzaine de milles à taper là. Je commence à apercevoir les maisons du Cap d'Agde avec le soleil, avec des reflets blancs au soleil se couche. On voit les maisons au loin. Ça va être une super navigation. Avec des moments de boost, mais un rire quand même, et puis des moments de calme, je suis tout ressorti, et là on est dans un moment assez dynamique, sans être excessif. C'est très agréable. Là le bateau marche bien, on le sent là. Ce bateau il marche quand même pas mal hein. Là je suis 90 degrés du vent pratiquement. En charge on a full plein d'eau, 400 et quelques litres, full gasoil, et on a tout le matos quoi, voilà. Donc et là on tartine à 7 nœuds. Voilà, bon, c'est pas mal, hein, on plein travers.
Et le vent TWS c'est à 15,8 nœuds. 16 nœuds. J'ai enlevé, alors j'ai fait un réglage un petit peu différent. Je l'ai réglé un petit peu moins sensible, le pilote. La dernière fois, la barre, elle n'arrêtait pas de faire zig 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 zig. Et bah là, c'est quand même mieux. Là, je l'ai mis sur 1, il était sur 5. Voilà où on est. On se rapproche. Ça trace. On a cette nœud là. Alors tiens, on va parler un petit peu de l'armement du bateau. Alors ce bateau est pas mal armé pour la Méditerranée. J'ai trinquette génois, grand voile cool button et Jennaker. La trinquette est sur été largable, comme ça, et le Jennaker est sur bout dehors. En ce qui concerne le piano, ben, il est bien équipé ce bateau, puisque drisse de génois, rien, bordure, chariot, écoute de grand voile, Alba, et de l'autre côté nous avons ici le frein de boom qui va venir, je l'ai pas monté, le riz 2 ici, la drisse de grand voile, je surveille en même temps parce que ça souffle, ici le chariot de grand voile, ici drisse de génois et drisse de Jennaker. Un winch, deux winches pour commander tout ça. Et ah, ça souffle là. Bien sûr, les winches pour les écoutes de génois. Je m'attelle de voir ce qu'il se passe parce que ça monte en puissance. Mais bon, ça m'a pas l'air non plus que ça. Ça envoie quand même là un petit peu là. Ça envoie un petit peu. On est plein travers. Donc il n'y a pas de souffle dans le micro normalement. Ça va mieux et je commence à apercevoir le Cap d'Agde qui se rapproche à grands pas du coup maintenant. Après une période de pétole. Alors du coup là je me demande si j'ai pas réglé le pilote un petit peu mou. Parce que quelquefois il fait quelques embardées de cap de 3-4 degrés. C'est peut-être un peu mou. On verra. C'est des essais. Je suis en train de. Hop, comme ici, là voilà. Je suis en train de m'approprier ce nouveau bateau. Donc faut essayer des choses, vous voyez, ça c'est un peu moins réactif et comme il y a du vent, je vais peut-être le re-régler sur 2, là je l'ai mis sur 1, 2 ou 3, pour qu'il soit un peu plus réactif, le pilote. On va voir ça, si ça change quelque chose, c'est le moment de faire des essais ou jamais. Alors comment fait-on pour régler la réactivité sur les ST70 ? On va dans menu. Ensuite, on a les différents modes qui apparaissent. On les fait circuler comme ça. Ah, menu. Niveau de réponse, c'est là. Et on fait entrée. Là, j'ai mis sur 1 et je vais mettre un niveau de réponse à 3. Et là, je fais encore entrée. Et là, normalement, je devrais avoir une barre plus réactive
Voilà. Et peut-être moins d'embardés aussi sur le cap. On va voir ça tout de suite. Évidemment, c'est au détriment de la consommation d'énergie, parce que si le pilote est plus réactif, automatiquement, il y a plus de consommation d'énergie. Mais quand le vent monte, comme là, eh bien, il est souhaitable de le rendre un petit peu plus réactif. Et là, il fait plus trop d'embardés. Donc 3 pour ce type de vent, 90 degrés, aux alentours de 18 nœuds, sans ride. On est à 17-18 nœuds là et on marche à 7,1 nœuds. Voilà pour cet essai. C'est même des pointes à 7,4. Hein. 7,3. Marche bien ce bateau. Hein. De là. Alors on approche du Cap d'Agde. Belle navigation, il manque de pétrole. Ah, c'est plus le cas. Ça va bien. On a un bon vent et le bateau avance très bien. Dans peu de temps, arriver au cap. Allez, une petite vue en mer. Oh oui. Voilà. Allez, une petite demi-heure et puis je suis dans le port Cap d'Agde.